Coucou, je te retrouve aujourd'hui pour te présenter un autre oracle de ma collection. Il s'agit de Divination des temps anciens. Alors cet oracle, je l'ai découvert grâce à Mélanie qui est venue en consultation, qui est venue en formation Laoshi chez moi et qui l'avait emmené. J'ai adoré, j'ai craqué, je l'ai commandé. Donc c'est un oracle de Barbara Michael John Free et de Flavia Kate Peters aux éditions Très Daniel au prix de 24,90. Il y a 45 cartes et un livret explicatif. Les illustrations sont de Richard Crox. Quelle que soit l'époque ou la culture, on a toujours considéré et révéré certaines personnes comme des sages. Ces oracles, tels qu'on les appelait également, avaient le don de parler à la nature, d'interpréter les signes et les augures, et de communier avec les dieux en quête de messages. Avec une extraordinaire clarté et une grande clairvoyance, malheureusement, l'essentiel de cette sagesse ancestrale et nombre de ses outils de divination ont été perdus au fil du temps. Grâce à ce coffret de 45 cartes, vous pourrez redécouvrir cette sagesse oubliée et la signification d'une multitude d'augures et de signes de l'univers pour vous reconnecter à l'art mystérieux de la divination. Vous pourrez aussi réactiver le lien de votre esprit avec le monde des esprits et obtenir des réponses symboliques qui vous guideront vers vos désirs profonds et vos intentions les plus nobles. Donc voilà le coffret. Dedans, il est basique. Ensuite, vous avez le livret d'explication. Ce sont très jolies les illustrations. Alors, dedans, on retrouve une petite phrase de Farbir, Saxon Elder. Nombreux sont ceux qui sont de bons conseils ou qui peuvent vous guider sur le bon chemin, mais les étapes qui vous permettent d'expérimenter réellement les leçons de vie et ces récompenses enrichissantes ne peuvent être traversées que par vous et guidées par ce que vous connaissez. Étendez vos connaissances, augmentez votre sagesse, c'est là que se trouve la clé d'un extraordinaire voyage vers la découverte de soi. Donc ensuite vous avez sommaire. Une introduction que j'ai envie de vous lire. Il était une fois des terres ancestrales qui baignaient dans l'âge d'or. C'était une époque de sagesse et de vérité où toutes les cultures et les croyances se rapprochaient pour apprendre des plus avisés. Les sages, également appelés oracles, parlaient directement avec la nature, interprétaient les signes et les augures et communiaient avec les dieux pour décoder les messages. Le tout avec une grande clarté et beaucoup de clairvoyance. Dans chaque temple, bosquet sacré et lieu de rencontre, les oracles attendaient ceux qui étaient en quête de connaissances et de réponses. L'inconnu n'était pas source de peur, les oracles étaient honorés, respectés et vénérés pour leurs conseils avisés. Divination des temps anciens est conçue pour vous présenter les augures, signes et outils magiques qui étaient jadis utilisés par les anciens, mais qui sont toujours à notre disposition au quotidien. Il nous suffit pour cela d'ouvrir les yeux en faisant revivre l'art divinatoire perdu. Nous nous ouvrons à la connexion de notre esprit avec le monde des esprits. C'est là que se trouvent les réponses symboliques qui nous guident vers notre désir profond et nos missions les plus élevées. La vie est comme une chasse au trésor qui renferme des indices cachés, détruits ou profondément enfouis. Le défi consiste à découvrir les grands mystères qui demeurent lorsque vous entreprenez des recherches pour découvrir votre mission de vie et votre destin. Les réponses vous apparaissent à condition de lire les signes, de vous souvenir de votre quête, de prédire la vérité et de révéler la sagesse des oracles qui sommeillent en vous. Donc elle est très belle cette introduction. Ensuite, on vous parle du voyage dans la divination, c'est une visite guidée. On vous parle de la divination à travers les âges. Comment devenir un oracle, comment lire les oracles, comment utiliser les cartes. Ensuite, vous avez des exemples de tirage de cartes, donc le tirage à une carte, le tirage à trois cartes qui sont quand même déjà très connus, donc je passe assez vite dessus. Après, vous avez la croix des cornouailles. Alors, par exemple, dans ce tirage à cinq cartes, la première carte représente la concentration, la deuxième carte le soutien, la troisième carte l'action, la quatrième la réceptivité, la cinquième l'issue. Donc il est pas mal ce petit tirage. Et ensuite, vous avez
La signification des cartes, donc c'est représenté comme ceci, c'est assez aérien, c'est agréable à lire. Vous avez la représentation de la carte avec les mots-clés qui sont repris dessus, une petite incantation, un autre sens divinatoire et une révélation sur cette divination en fait. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Il est livré avec une très jolie petite pochette grise pour protéger votre jeu, pour pouvoir l'emmener partout. Et ça, c'est pas négligeable, comme je vous le dis à chaque fois. Le dos des cartes est très beau. En plus, ouais, il est très beau. La tranche est dorée, la qualité des cartes, comme d'habitude, elle est top. Et ensuite, on va découvrir les cartes. Vous voyez bien. Donc sur chaque carte, vous avez le nom de la carte et un petit, je cherche mes mots, un petit mot-clé. Bah le. Ouais. Le nom de la divination et son mot-clé. Donc c'est pas mal ce jeu. Par exemple, vous pouvez l'utiliser en demandant quel système divinatoire est-ce que je dois apprendre ou approfondir. Et comme ça, vous vous laissez guider. Moi, j'étais tombée sur sorcier. Donc les illustrations sont vraiment très belles. Là, je ne les vois pas quand je vous les montre. C'est un petit peu dommage. Elle est trop belle celle-ci. J'ai une anecdote sur la fumée. J'ai fait un stage où en fait, donc Hubert, celui qui fait le stage, nous disait en fait que dans la fumée, on pouvait voir beaucoup de choses. Et il nous disait en fait qu'un jour, il avait demandé à voir un dragon. Il a mis son téléphone en mode rafale. Il a photographié le feu. Et en fait, il nous a montré les photos. C'est juste incroyable, quoi. Il y avait un énorme dragon dedans. Donc demandez, vous verrez, j'ai envie de vous dire. Alors après, il y a quelques systèmes que je ne connais pas. Donc c'est toujours intéressant à découvrir. En tout cas, c'est un jeu vraiment que j'avais jamais trop vu sur les réseaux sociaux. Je remercie vraiment Mélanie de me l'avoir fait découvrir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu le connais, si tu l'as, si tu l'utilises, s'il t'intéresse. Toujours très curieuse d'avoir vos retours. Voilà, c'est celle-là que je tire moi. Donc voilà la dernière carte. Magnifique d'ailleurs. Donc comme d'habitude, à la fin de la vidéo, j'aime bien tirer une petite carte pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le livret. Le message, c'est pas non plus un hasard si c'est celui qui sort, c'est que c'est celui qui doit parler au plus grand nombre des personnes qui regardent cette vidéo. Donc pas à tout le monde, mais vraiment à une grande partie. Oula, bon bah je crois que hop. Voilà. La chiromancie. Alors, du coup,
pour retrouver dans le livret, le plus simple, c'est de se référer au sommaire qu'il y a au tout début. Parce que lui est par ordre alphabétique. Hop. Donc voilà comment ça se présente dans le livret. Chiromancie, interprétation. Trop souvent, vous tirez des conclusions qui vous laissent mal à l'aise ou frustré, mais vos réactions sont entièrement dues à vos propres interprétations de ce que les autres disent et des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Adoptez un nouveau mode de pensée qui vous aidera à embrasser la vie et à la vivre pleinement. C'est pour cela que vous êtes là, après tout. Faites-vous beau, non seulement en apparence, mais aussi au niveau de votre esprit. Considérez une tâche ou un voyage avec une nouvelle attitude positive. Le fait de saisir des opportunités avec enthousiasme et ambition chamboulera votre vie et vous réaliserez que vous réussissez plus de choses que jamais auparavant. Vous remarquerez bientôt que l'attitude des autres envers vous deviendra plus assertive, tout comme la vôtre le sera envers eux et envers tout ce qui croisera votre chemin. La petite incantation, ce que j'ai vu, je l'ai détesté, la vie était fade, je voulais plus d'épanouissement, les choses, j'ai mal interprété, maintenant que je les comprends, mon cœur est rayonnant. Autre sens divinatoire, ce que vous considérez comme étant mal est une bonne chose pour quelqu'un d'autre. Tout n'est pas noir ou blanc. Considérez les situations sous différents angles, rendez visite à un praticien de chiromancie accrédité, analysez où la vie vous a mené et apportez-y des changements si besoin. Une petite révélation sur la chiromancie. On pense que l'art antique de la chiromancie a ses racines dans l'astrologie hindoue. Il était monnaie courante dans toute l'Inde, le Tibet, la Chine, la Perse, le pays de Sumer, la Babylonie et la Palestine antique. Aristote avait déclaré « Les lignes de la main ne sont pas dessinées sans raison. Elles proviennent des influences célestes et de l'individualité de l'être humain. » Voilà, super intéressant. En plus, vous apprenez plein de choses dans ce jeu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de vous abonner, de liker, de partager si le cœur vous en dit. Dans la barre d'infos, je mets tous les liens pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ma page pro Facebook, j'y partage plein d'articles et tu peux y réserver un soin énergétique. Ma page Facebook Zaromatique Cartomatique où je partage une carte par jour. J'ai le même compte Instagram Zaromatique Cartomantique. Si tu as envie d'avoir un message chaque jour, il faut t'abonner. Et mon compte Instagram Zaromatique où vraiment je suis la plus présente. C'est vraiment le réseau social que je préfère. J'y partage plein de stories, des petites balades avec mes biquettes, mes lectures, mes cartes, des textes que je trouve inspirants, des citations, etc. Sur ce, prends bien soin de toi et à bientôt.